Amis auditeurs de la Radio Maria, de la fréquence sacrée, bonjour. Soyez les bienvenus à votre nouvel entretien Foi et Santé. Amis auditeurs, dans la vie de tous les jours, on est souvent surpris du comportement de certaines personnes. Comme le dit la phrase des automobilistes, une voiture peut cacher une autre, un train peut cacher un autre. Les caractères aussi peuvent se superposer à telle enseigne que l'on découvre souvent des attitudes réelles qui se cachaient derrière des attitudes virtuelles. Cela s'appelle l'hypocrisie. Les grands psychologues savent dénicher, décrypter les caractères. Joseph avait fait un songe. Lui était une fleur et ses 11 autres frères, d'autres fleurs, celles-ci vinrent entourer sa fleur qui était au centre. Le mauvais décryptage de ce message lui valut la haine de ses fleurs, de ses frères. Ceux-ci le vendirent aux marchands ambulants. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, rétablit toujours de l'ordre. Dieu fit de Joseph une grande personnalité de l'Égypte et ses frères devinrent des commandeurs. Les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens et les Bamounes, une famille du Bamileke au Cameroun, avaient une écriture particulière. Il a fallu des experts pour dénicher les hiéroglyphes d'Égypte, parmi lesquels le français Jean-François Champollion, pour décrypter les messages codés. Donc il faut des experts. Le jargon médical est comme le langage militaire, parsemé de codes, et le décryptage est souvent affaire de connaisseurs. Le décryptage, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les calligraphes, ceux qui savent dénicher même les écritures sombres que d'autres ne voient pas. Nous dédions aussi l'émission à tous les historiens, à tous les médecins cliniciens qui dénichent les maladies derrière les examens, comme la numération formule sanguine peut permettre de dénicher un problème du foie, un problème de l'estomac, un problème d'anémie, etc. Les psychologues, les interprètes et bien sûr les musiciens qui dénichent aussi les sons et les temps derrière les partitions. Avant d'écouter l'histoire de la maladie, nous allons réécouter un peu ce que nous avons perdu d'écouter, qui était un boom de la chanson religieuse à une certaine époque, les Makoma dans la Tamboli. Con
Histoire de la maladie. Marius, infirmier stomatologiste, est dans son quartier, peu équipé. Une jeune femme de 37 ans, Sabine, est frappée par son mari, 48 ans. La dent numéro 21, c'est-à-dire une dent supérieure, une incisive, va sauter et créer un vide dans le sourire de cette belle dame. Car que va-t-elle faire ? Le sang va gicler. Donc Marius, l'infirmier stomatologiste, est consulté par ces dames. Et sous anesthésie locale, il replace la dent et fait une ligature en 8. Ligature en 8, ça veut dire faire passer un fil d'acier tout autour des dents qui sont à gauche et à droite de la dent partie pour mieux la solidariser. C'est comme si on mettait des chiffres aux dents, la dent A, la dent B, la dent C. Mais c'est la dent B qui est passée. On va donc replacer la dent B au milieu et faire passer un fil d'acier derrière la dent A qui va aller contourner la dent B par l'arrière et ressortir par la dent C en avant et faire le même tour pour bien la fixer. Et c'est ce qui fut fait par notre ami Marius, l'infirmier stomatologiste. Alors, le fil d'acier va donc solidariser la dent qui va petit à petit être consolidée. 21 jours plus tard, on remarque que la dent n'a plus bougé quand le fil d'acier est retiré. 21 mois plus tard, la dent est toujours là. Le dentiste assistant a sauvé Sabine d'un défaut esthétique évident. La foi de Sabine l'a sauvée. Nous allons, avant de prendre l'évangile, repartir sur ce chant. Dieu a vu notre misère. Dieu a vu notre misère, et nous bénit et nous libère. L'esclavage est terminé, cette page a été tournée. Dieu a vu notre misère, et nous bénit et nous libère. L'esclavage est terminé, cette page a été tournée. Il nous montre le chemin de la terre promise. Dieu nous prend par la main avec force maîtrise. Libérés de soucis, surmontant les préjugés, rejoignons les enfants bénis, nous sommes protégés. Dieu a vu notre misère, et nous bénit et nous libère. L'esclavage est terminé, une page a été tournée. Dieu a vu notre misère, et nous bénit et nous libère. L'esclavage est terminé, cette page a été tournée. Les mauvais jours sont finis, les chaînes sont brisées, nos blessures sont guéries, les méchants sont écrasés. Le Seigneur est merveilleux, il nous redonne de la santé. Des sentiers périlleux, il libère l'humanité. Dieu a vu notre misère, et nous bénit et nous libère. L'esclavage est terminé, cette
page détournée. Évangile selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 36. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, « Pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui dis-tu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des bandits qui le dépouillèrent, le chargeant de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon séjour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Alors il y a deux verbes qui m'ont accroché, c'est « accompagner » et ensuite « le lendemain ». Ça veut dire qu'il a pris tout son temps pour le surveiller. Les textes de la semaine qui nous ont préparés à ce jour nous rappellent ceci. Dieu est tout-puissant. C'est ce que le Christ a rappelé à Thomas. Toi qui traverses les difficultés, c'est à toi aussi que Dieu le dit aujourd'hui. Aidez les autres, Dieu vous aidera aussi. Un jour, en envoyant les apôtres en mission, aider, soigner, guérir les autres, Dieu leur garantit que pas même un de leurs cheveux sera touché. Toi du corps médical ou d'un autre corps, c'est aussi à toi que Dieu parle. Le bien n'est jamais perdu. Apportez la paix, que là où nous vivons, nous travaillons, nous soyons des ouvriers de la paix. Orientons nos élèves. Quand on forme, il faut surveiller. Le diable est malin. Il peut détourner, désorienter. On était fait pour la médecine. Après, on vit. Être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. On n'est pas loin des dangers ou des jaloux dans notre activité. Le courage de la vérité, dites-le sur les toitures, ce que l'on dit en cachette. Il faut innover et publier, ne rien cacher de bon. Celui qui fait le bien, on ne le sait pas toujours d'avance. Ne négligez personne. C'est le cas du bon samaritain qui nous enseigne qu'on aime son prochain de cette manière. Nous allons donc définir la manière d'aimer son prochain. C'est la mission des médecins et de tout le monde aussi. Aimer son prochain, c'est s'approcher de lui. On ne peut pas vraiment aimer en ligne, rarement sur Facebook. Soigner avec ce que l'on a et immédiatement. Il ne faut pas compliquer. Orienter. Quand on est limité, on refaire. À plus qualifié que soi. Il ne faut pas bricoler, tripoter, imaginer, mais référer sans honte ni gêne. Confier. Celui que l'on aime, on le remet à celui que l'on estime et celui qu'on admire. Dépenser, encore une fois, un bien n'est jamais perdu.
Faire miséricorde, souffrir, pardonner les autres. Savoir s'arrêter ou observer le mal qu'il y a autour de nous. Au dernier jour, comme à Caïn, Dieu nous dira « Qu'as-tu fait à ton frère ? Qui est mon frère ? Qui est ma sœur ? Tous ceux qui souffrent auprès de moi et que je semble ne pas voir. » Et nous allons écouter Jean-Claude Janada qui dit la même chose en chanson. Puisqu'appelés à embellir la route ensemble, à retrouver ta source, à marcher vers ton puits, obscur témoin, il est si doux de vivre ensemble, les mains ouvertes pour accueillir ton esprit, Dieu de pardon et Dieu d'amour. Si grande est ta miséricorde, Dieu de pardon et Dieu d'amour, tu sauras nous montrer le jour. Puisqu'appelé en cette époque sans repère, à garder notre lampe éclairée dans la nuit, humble témoin, humble reflet de ta lumière, nos cœurs ouverts afin d'accueillir ton esprit, Dieu de pardon et Dieu d'amour, si grande est ta miséricorde. Appelé à partager nos différences en cette auberge où ce bout de pain nous unit, simple témoin mais riche de nos expériences, nos vies ouvertes pour accueillir ton esprit, Dieu de pardon et Dieu d'amour. Histoire de la médecine. L'ADN ou acide désoxyribonucléique. C'est lui qui porte nos gènes et donc transmet nos caractères. Lors de la mitose, la cellule se divise en deux et donne deux cellules filles identiques. L'ADN ou molécule de base de la cellule mère se réplique, sauf comme une fermeture éclair ou tirette. Les deux brins trouvent dans la cellule des éléments pour former un nouveau brin identique. Et on a deux molécules filles identiques à la molécule mère. On parle de brin parental et de brin néoformé. On qualifie ce processus intelligent de semi-conservateur. Est-ce du hasard ou la main de Dieu? Il est très difficile, nous disait dans un document, l'ingénieur Bolloré, qu'il est très difficile de concevoir que ce qu'il y a au monde a été un fruit du hasard. Histoire de l'Afrique. Malgré leur occupation, ces révolutionnaires ont favorisé l'essor de la santé de leur population. Et leur côté guerrier a souvent occulté leur caractère humanitaire. En ordre, il y a Soundiata Keïta, reconnu par l'UNESCO, empereur du Mali, le plus grand de l'Afrique, qui va organiser un empire puissant qui va du Sénégal au lac Tchad. Dès le XIIIe siècle, la médecine avec les plantes va aider les soldats et la population. Chaka Zulu,
organisateur de génie, mais son règne a malheureusement fait beaucoup de morts et il avait le secret de la bonne santé. Tekamema va diriger dès 25 ans le Ghana et ce visionnaire va faire prospérer la médecine traditionnelle au Ghana. Samori Touré, chanté par Alpha Blondy, il gouverne de la Guinée à l'actuelle Côte d'Ivoire. Imhotep Pharaon, médecin et philosophe. L'homme aux multiples talents est aussi constructeur et sculpteur. Moussa Kankan, émir d'Ébène, le plus riche africain, empereur du Mali, développe la médecine traditionnelle. Béanzin, roi d'Ahomey et du Bénin, le roi requin. Kwame Nkrumah, qui organise le Ghana. Mamadou Touré, empereur des Songhaï. Enfin, Marcus Gervais, chanté par Bob Marley, jamaïcain, appelé le Moïse noir ou Black Moses. C'est le précurseur du panafricanisme. Tous ces grands chefs avaient pour priorité la santé, non autre chose. C'est ce qui a fortifié le développement de leur contrée. Quelle priorité donnons-nous à la santé dans nos budgets familiaux? Amis auditeurs, nous allons écouter avec Enrico Macias, enfant de tout pays, avant de prendre le psaume d'usage. Enfant de tout pays, dans les bonnes mains, leur fils met l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, leur cri semez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. N'ont qu'une adresse, le paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rides de votre empire feront du monde un paradis. Enfant de tout pays, tendez vos mains, puis semez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. Psaume 69, les versets 6 à 14. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire, l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, pour ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours.
Nous terminons cette émission avec ce proverbe togolais qui dit ceci. Ne vous découragez jamais. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent depuis plus de 12 ans sur la Radio Maria de Pointe-Noire. Merci à Jocelyn et Guyard. Merci à René Charles et vous. Merci au père directeur de la Radio Maria. Vous tous qui nous suivez à Ouesso, à Brazzaville, en Caï, à Kinshasa et dans le monde par le réseau Internet. Au revoir, à bientôt, même jour, même heure, même fréquence, la fréquence sacrée.